Stop. Stop. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel du stop. Le stop, ça s'apprend exactement comme un jeu, et ce jeu vous le connaissez tous. On se retrouve tout de suite, juste après ces quelques petites images qui vont vous rappeler des jeux de votre enfance. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. On joue à 1, 2, 3, soleil. C'est le premier qui bouge qui a perdu. Alors j'espère que ces petites images vous ont rappelé de bons souvenirs de jeunesse. Et oui, il y a moyen d'apprendre le stop en jouant à 1, 2, 3, soleil. On va directement sur le terrain pour voir comment on pratique. Ce que vous allez avoir besoin, c'est comme d'habitude des récompenses. Vous allez avoir besoin d'un cliqueur si vous travaillez au cliqueur, de la laisse et de son collier. Ensuite, on le travaillera sans laisse et sans collier, mais au départ, on commence avec la laisse et le collier. Il y a énormément de vent, donc ce qu'on va faire, c'est ici, on va travailler les exercices. Je vous expliquerai en voix off de la maison comment il faut faire, parce qu'il y aura certainement une meilleure qualité de son. D'habitude, je le travaille en rue, mais ici, c'est un espace qui est dégagé, qui va me permettre de travailler un petit peu comme si c'était en rue, et de vous montrer comment il faut faire. On commence tout de suite les exercices, et puis, bon entraînement à vous. Le cliqueur en main droite avec la laisse et l'autre main pour pouvoir donner un tout petit coup de laisse juste pour freiner. On est parti. Alors au départ, il faut simplement dire stop, arrêter le chien, patienter une petite seconde et cliquer. On redémarre par la suite. À chaque fois qu'on dit stop, on marque l'arrêt en tapant légèrement du pied. Au départ, il ne faut absolument pas se focaliser sur la durée, mais simplement sur l'arrêt du chien. Une chose importante aussi à apprendre à votre chien, c'est la commande relax. En tout cas, toute commande qui va permettre au chien de comprendre que ce qu'on attendait de lui est terminé. Par exemple, on lui demande assis, on va lui dire relax, il sait qu'il peut se mettre dans n'importe quelle position. De même que pour un coucher, un stop ou n'importe quelle commande que vous allez donner à votre chien, quand vous allez lui dire relax, il peut comprendre que l'ordre est terminé. Il y a un début, c'est la commande que vous allez lui donner. Et ensuite, il y a une fin, c'est le mot « relax » qui lui permet de faire ce qu'il a envie de faire. N'oubliez donc pas, quand vous êtes occupé à vous entraîner ici, ce que vous faites, après avoir marqué l'arrêt, et après avoir cliqué et après l'avoir récompensé, vous dites « relax ». Une fois que le chien a compris le jeu, on peut augmenter le temps avant de cliquer et limiter la traction sur la laisse. Stop. À bouger. Relax. Voilà, donc on travaille d'abord les exercices avec la laisse. On n'hésite pas à taper du pied, simplement pour bien lui faire comprendre qu'on s'arrête. Et aussi donner un tout petit coup de laisse juste pour l'aider à comprendre qu'on s'arrête. Si vous arrêtez de bouger, le jeu va continuer. C'est un jeu, on s'amuse, on court, stop, on s'arrête et ensuite relax et on continue. À partir du moment où votre chien a bien compris en le faisant en laisse,
on commence à le faire sans laisse. Alors là, je vous conseille de justement ne pas le faire en rue. Faites ça dans des terrains comme ici, une voie dégagée. Faites ça dans des champs, dans votre jardin, etc. Mais apprenez-lui vraiment bien avant de le faire en rue. Vous allez voir que le stop, ça se travaille vraiment, c'est un jeu. Le chien va trouver ça très amusant. On vous montre ici sans laisse. T'es prêt ? Voilà. Pour que ça fonctionne vraiment, il faut que vous soyez convaincu que vous jouiez avec votre chien à 1, 2, 3 soleil. Tiens mon doudou. Stop. Yes. Bien. C'est bien mon grand. Correct. Et on est parti. Ne surestimez pas votre chien. Ne pensez pas qu'il a tout compris tout de suite. Ce n'est pas parce que ça fonctionne quelques fois que c'est vraiment acquis. Ce n'est que le travail à longue durée et avec énormément de répétitions qui vont faire que votre chien va vraiment avoir assimilé le fait du mot stop avec l'arrêt sur ses quatre pattes. N'essayez pas donc de le faire stopper en rue ou quoi que ce soit si vous n'êtes pas sûr et certain d'un résultat à 100%. Là, vous pouvez voir comme l'appel du pied est vraiment très important parce qu'à distance, lorsque vous claquerez du pied, le chien comprendra qu'il faut qu'il stoppe. Relax. C'est bon. Stop. Yeah. Relax. Une fois que le chien a bien assimilé l'exercice, vous pouvez le faire partout, vous laissez un tout petit peu devant et puis après ça, vous lui faites le stop. N'oubliez pas, toujours, je vais le rappeler encore, le petit appel du pied, c'est hyper important. Donc maintenant, je vais le rappeler parce qu'il est parti là-bas plus loin. Et puis après ça, je vais lui faire un petit stop. Peps. Le tutoriel du stop est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura permis de l'apprendre de façon ludique et récréative. Alors oui, on l'apprend comme un jeu. C'est vraiment comme ça que j'essaye d'apprendre un maximum de choses à Peps. Et puis, donnez-nous des nouvelles sur les résultats obtenus. N'oubliez pas, si vous appréciez notre page, ça nous fait vraiment plaisir lorsque vous la partagez ou lorsque vous mettez un petit commentaire, un petit j'aime, etc. C'est toujours très plaisant. On se retrouve très bientôt sur YouTube, sur Facebook et bon entraînement à tous. Salut !